Oh, vous avez vu l'heure? Il n'est que 10h30, je suis déjà dans la rue, bien loin de la salle d'examen. Non pas parce que ça a été catastrophique, mais parce que ça a été mi-génialissime, mi-un peu catastrophique. Je vous explique. On est tombé en histoire S sur une majeure histoire, la Chine des années 1900, depuis les années 1949. Le bonheur absolu, je connaissais ce sujet. C'était un des sujets que je connaissais le mieux avec les mémoires de la Seconde Guerre mondiale qu'on avait faites en vidéo. Et surtout, ça c'est vraiment le truc génial, en venant le matin, je regarde la vidéo de l'antisèche sur ce thème-là précisément, donc j'étais tout frais dans la tête. Je le connaissais bien, j'avais vu la vidéo de l'antisèche qui est parfaite, qui propose un plan. En fait, je vois le sujet, j'ai déjà le plan, j'ai déjà la problématique, j'ai déjà tout. Donc, pour la majeure histoire sur la Chine, c'est totalement gagné. J'ai déroulé, même pas besoin de faire de brouillon. C'est pour ça que je suis sorti en avance. Par contre, la mineure était bien sûr une mineure géographie sur la mondialisation. Il fallait remplir une carte. Ai-je déjà rempli une carte de géographie? Avais-je révisé les cartes de géographie et le chapitre de la mondialisation? Non, 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 absolument pas. Donc, j'avais quand même vaguement vu quelques notions, donc j'ai essayé de sauver les meubles. Comme normalement, la majeure est sur 12, la mineure sur 8 points, et que en général, quand la majeure est bonne, il est un peu plus indulgent, je peux normalement dire, enfin le correcteur est plus indulgent, je peux normalement dire que c'est quasiment sûr que j'ai la moyenne, voire un peu plus. C'est tout ce qu'il me faut pour l'instant. On continue. Le nombre de choses qu'il y a à savoir en physique, chimie, la quantité est trop grande. Les amis, j'ai besoin de votre aide. Je ne comprends pas sur ma TI-83, donc je n'arrive pas à taper genre un chiffre fois 10 puissance moins 11. Quand je mets 10 puissance moins quelque chose, il me dit erreur de syntaxe. Je ne comprends pas comment je dois taper. Si vous avez la réponse, je vous en supplie, aidez-moi. J'ai trouvé grâce à vos messages, j'utilisais pas le bon moins. Il y a un moins pour les soustractions, c'est celui-ci. Et il y a un moins pour les négatifs, c'est ça. Oh, je ne l'avais pas vu en bas. Merci, vous êtes très réactif. Vous me sauvez. C'est con, mais vous me sauvez du temps là.